Jour 4. L'étreinte du froid. Les loups et l'aurore boréale ont disparu. Mais un blizzard monstrueux s'est abattu sur la région. Avec un temps pareil, on peut mourir de froid même en étant à l'intérieur. Partez à la recherche de barres chocolatées, de tartes à la citrouille et de caches de provisions spéciales. Mais assurez-vous d'avoir toujours un feu à proximité. Pourrez-vous survivre à la nuit ? On va faire du feu ici. Ce qu'il faudrait faire aussi, c'est... comment dire ? Du petit bois peut-être ? Parce que je crois que j'en ai que 6. Ah, il y a du charbon à droite là, devant. Ah non, c'est des pierres, pardon. Donc on a tout pris, là. Là, un peu. 39%. Une hachette. Petite hache à une main, pratique pour trancher le bois ou la viande en cas de besoin. Vraiment cool. Cadeau, mec. Cadeau. 13 degrés, c'est pas assez chaud. 14 minutes. On va attendre 14 minutes. Est-ce qu'on va vraiment attendre 14 minutes ? On n'a qu'à utiliser ça à la place. Voilà. On va utiliser ce sac de couchage. Putain, vas-y, il faut trop de place. Ah! Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais pourquoi elle fait ça? Genre, elle a l'air d'être énervée. Genre, elle s'est brûlée. Genre, vous savez, elle fait commande. Genre, ouais, vous êtes brûlé la langue parce que c'était le thé, il était trop chaud. Un truc comme ça. C'est bizarre. Je vois pas pourquoi elle fait ça. Je comprends pas. Je vois. Très très bizarre. En tout cas, on est tranquille. On va encore attendre combien de temps? On a 5 heures de feu. Ah, 6 heures. Comme ça, on récupère de la vie. Encore, on essaye de maximiser la vie et tout ça parce que j'ai pas envie de... d'avoir des problèmes. On n'a pas attendu 2 heures en fait, c'est bizarre. J'avais la souris qui merdait. J'ai l'impression que le jeu bug un peu depuis la mise à jour d'Halloween là. Je sais pas si vous avez vu, j'avais le curseur qui était bloqué. Bon, par contre ça, là on vient de rajouter 1,5 kg, ça c'est un peu emmerdant. Je crois que encore une fois on va virer de l'eau.
Encore 4 heures. On va faire du café. Merde. Ah ouais, non, je voulais le... Voilà, on va le laisser là, comme ça il brûle pas. On le met à côté, comme ça il réchauffe, mais il brûle pas. On va dormir 2 heures. 3 heures ? 3 heures. Là, vous l'entendez ? Il bouillonne, mais il a pas brûlé. Voilà, chaud. Très bien. Le sac de couchage, on le laisse. Ah, j'ai l'impression que le vent s'est un peu arrêté. Anything right now. Voir. Oh, j'ai un bug graphique ou quoi? Ouais, j'ai un bug graphique. Ah, ça y est, c'est parti. Ok, bon, on y va? On y va alors. On est prêt. Go! On a tout. Bon, bah, à plus, mec, c'était un plaisir. Je t'ai laissé un petit feu. T'en as encore pendant 2 heures. Ciao. Y'a plus de vent? Bah, si, y'a encore. Alors honnêtement, c'est assez dur de... de se repérer, mais... en théorie, c'est tout droit, je crois. Et maintenant, on cherche à remonter. Oh yes, panneau, panneau. Climbing area. Ah, la flèche montrait à droite, mais je crois que c'est au bout là-bas. Ok, on est bon. Oh la vache, je crois qu'on est bon. Yes, elle est là, la corde. Alors, elle va se fatiguer, mais... j'aurais dû peut-être descendre les pourcentages... les kilos... Non, non. De toute façon, les kilos, ils baissent quand elle est à moitié de son énergie. Donc ça va, on est tranquille. Non, on est bon, on est bon. En plus, elle a un café, elle est bourrée à bloc, là. Ça va. Et voilà. Bienvenue à Hamilton. J'entends des bruits comme s'il y avait des animaux, mais en théorie, il n'y a pas d'animal. Mais bon, restons sur nos gardes. On va aller dans la cabane. Ah, moi, ils me font marrer, les gens. Les gens sur Steam qui étaient là. Oh non, moi je suis prêt, moi j'ai 3 milliards de bouts de bois. Moi je suis prêt pour l'apocalypse. Genre je vais rester embarqué comme ça pour être sûr de gagner
gagner le badge. Bah, moi, je visite. On pourrait dormir ici, faire un feu, se réchauffer, tout ça, mais je pense pas qu'on va le faire. Ce serait un peu une perte de temps. Je pense que, en fait, comment ça devrait jouer, truc pour fusion, on s'en fout. Comment ça devrait jouer, c'est que la première journée, en fait, vous essayez de faire le maximum de moins 4, ça va. Le maximum de d'exploration et de réserve, genre le chocolat, etc. Et après, dans un deuxième temps, vous essayez même de trouver le fusil et tout. Et dans un deuxième temps, donc dans le jour 2, pardon, c'est là où vous vous avez les loups. Donc vous essayez de trouver une lampe, etc. Mais vous avez aussi le fusil, par exemple. Donc là, vous pouvez les combattre, les tuer, parce qu'il y en a tellement. Vu qu'il y en a tellement, voilà, ce serait le meilleur des choses. Nobody needs this anymore. Je les prends pas. Maintenant, je suis en train de me dire peut-être qu'on aurait dû se réchauffer, en fait. Parce que là, il fait froid, quand même. Enfin, il fait froid. C'est pas le froid, le pire. C'est la tempête. C'est ça, le problème. Mais on devrait pas être loin de... Ah, ben voilà, on est à la station-service, déjà. Un peu. Voilà. Station-service, c'est quoi? Il devrait faire assez chaud, non? Ah si, si, ça va. Yes, on peut faire du feu aussi. Ah, on a qu'à en faire, allez. On a des... On a du matériel. On a du feu, là. On va en faire. Hein. Mais vous voyez, en gros, les 4 jours, voilà, vous les faites comme ça. Vous faites le premier jour, vous explorez au maximum, essayez de trouver les cages d'Halloween, là, comme on a trouvé au jour 3. Le jour 2 après, bon, il y a les loups qui arrivent, donc vous devriez avoir plein de réserves avec de la chance, le fusil, etc. Donc vous pouvez vous défendre. Le jour 3, c'est l'aurore boréale, donc beaucoup plus agressifs. Donc là, il vous faut la lampe ou alors le fusil, ça marche aussi, mais. Et après, le jour 4, en fait, c'est la survie au froid. Donc, en gros, dans le jour 3, vous faites une réserve. Comme ça, vous survivez le jour 4 facilement. Mais bon, après, quand c'est comme moi, on a l'habitude hein, du mode intrus. Donc, franchement, on peut se balader en même temps. On n'a pas vraiment de problème. Oh, yeah. That's a good one. Voilà. On se réchauffe surtout, c'est pour les habits, en fait. Je veux pas qu'ils soient mouillés comme ça. S'en prend, on peut dormir aussi ici. Allez, on va tout fouiller maintenant. Boîte de travail. Quoi qu'on pourrait les prendre pour du cuir en fait. Ah, on va les prendre. Et on va les déchirer. Pantalon de cargo correct, on va voir si on n'a pas. Si c'est pas mieux. Man, I'm not sure I can carry much more. On a bien exploré quand même, enfin, comment dire, on a bien avancé, même sans avoir été prêt. Putain, j'arrive même plus à expliquer ce que je veux dire. Genre, je me suis pas préparé au jour 1, en fait. Donc non, on a vraiment eu les loups très vite, on a eu le froid très vite. This stuff will come in handy. On va faire des petits bois, là, vite fait. On va faire des petits bois avec les jours. Ah, avec les livres, non, ça marche pas. Donc voilà. Et puis j'ai joué que 2 heures à chaque fois. Hein. J'ai pas joué plus que. Plus que ça. Hein.
cactus, toujours bon. Écharpe en coton, c'est pas vraiment utile. Ça, oui. De toute façon, on est proche de Milton, du centre de Milton. On peut prendre l'eau aussi de là. Donc on risque rien. Café parce qu'on n'a pas assez, c'est vrai. Il y a des lampes de partout. No more cash. Nobody needs this anymore. Non, c'est du charbon pour dessiner ça. Bon bah voilà, je crois qu'on est bon. On va rester à côté du feu. J'ai le réflexe à chaque fois de m'accroupir. C'est comme si je m'asseyais en fait. On va recycler ça. Bien là. On est bien, on est tranquille. On a des bons vêtements, c'est ça qui aide. Parce que si on avait des mauvais vêtements... Attendez, là il y a le cargo et là le travail. Cargo est peut-être mieux, non? 85%, 88%. Non, je crois que c'est la même chose. 23... Ouais, ça doit être exactement la même chose. Parce que si on avait des mauvais vêtements, du coup, en fait, bah, on serait dans la merde. Parce que dans chaque bâtiment, en fait, on perdrait tout le temps des pourcentages. Enfin, on serait toujours en moins. Et du coup, bah, ça serait très emmerdant. Mais là, on a de très bons vêtements, on est de très bonne qualité. À chaque fois, on va même les réparer, tiens. Tant qu'on perd du temps. 3 heures. T'as le livre, il a donné beaucoup de temps. On va les réparer. Voilà, 78, ouais, on va réparer ça. Chaque degré compte. C'est important. Après, c'est vrai que dans ce mode de jeu, là, c'est tellement facile de monter de niveau les choses. Ça, tu peux tout faire tout le temps quoi. Moi j'ai mis 3000 ans à monter les habilités. Je suis content d'avoir trouvé ça, les bottes là. Ils sont vraiment cool ces bottes renforcées. Enfin, doublées ou je sais pas quoi. Non. Non, ça serait du gâchis. Ah ouais, non, là, des très très bons vêtements, là, je suis content. Voilà, encore 2 heures. On va pouvoir dormir. Faudrait dormir... faire cuire du thé
profiter pour dormir. Tisane. Et ça aussi. J'en ai trop en fait. Voilà. Damn it. Ouais, mais c'est... elle doit se brûler en fait. Elle doit se brûler tout simplement. Ah, 6 heures. Ça devrait suffire. Après, j'ai un peu peur que... genre... il fasse de vraiment de plus en plus froid et que on meure de froid dans le lit. Mais bon, ça m'étonnerait quand même. Genre, baril enflammé, là, il est vide. Eh, on a quand même 0% ressenti. Hein. Enfin, 0 degré, pardon. Qu'est-ce que j'ai avec les pourcents, hein. On a quand même 0 degré ressenti. Donc, faut faire attention. Hein. Faut faire quand même attention. Mais bon, on a le lit, en fait. Le lit nous donne des degrés à chaque fois. Genre, vous voyez là, plus 5 degrés. Bon, c'est pas énorme. C'est pour ça que j'ai un peu peur. Ça serait la connerie bête, en fait. La chose très très bête, c'est de mourir dans le lit gelé. Ce serait vraiment con de faire ça. On peut lire. On va pas lire maintenant. On a une torche, ça sert à rien. On va prendre ça. C'est reparti. C'est bien qu'on ait plein de fusées là. C'est vrai que j'avais pas pensé au fait de... que les fusées de détresse ben, marchent. C'est vrai quand il y a du vent alors que les torches ne vont pas marcher. Surtout là, il y a tout le temps une tempête. Là c'est un peu emmerdant quoi. Quand ils veulent, ils rajoutent une option pour passer de la banquette arrière à la banquette avant. Ça serait franchement intéressant hein, d'avoir ça. Ça serait vraiment cool. Bon, maintenant, c'est par là-bas. On va plus ou moins suivre la route et on devrait être tranquille. Voilà, Milton. Très très bien. Town of Milton. Fingers are numb. J'ai l'impression qu'il y a des choses autour de moi, c'est horrible. Two coldest thing. Non. On va aller fouiller les bâtiments, on va faire un par un. Ça n'en a pas besoin. On va aller faire un par un et après on ira à la maison de la mère Grand là, et on attendra là. Ah, oh, une fiamme. Bon, du coup, ça se passe tranquille. Il nous faudrait aussi plusieurs faitous. Parce qu'on va avoir une cuisinière avec 6 emplacements dans la maison. Donc c'est le top. C'est quoi ça? This stuff will come in handy. Chaussettes d'escalade. Oh.
Ça, ça peut être un peu mieux. Bah. Ah, ça c'est pour du cuir. Mocassin là. Livre, livre, on s'en fout. Sweatshirt. Ça, en théorie, normalement, c'est mieux. Faut les réparer, par contre. On utilisera la lampe à la place de la... le truc. Des torches, des fusées. Ça c'est cool, ça c'est bien. Les bonnes chaussettes, ça. Ah, faut les intervertir. Yes, voilà, c'est bien comme ça. Voilà, et ça, recycler. Voilà, deux cuirs, très très bien. Ah franchement là, là on est refait, là on est bien, on est blindé, hein, y a pas de problème. Hein. Y a honnêtement aucun problème pour survivre. Ça, on fait que vadrouiller en plus, ça se passe bien. Par contre je voudrais peut-être bien me réchauffer. Non, non on s'en fout. On y va. C'est parti. Là-bas. C'est parti mes chefs. Ça c'est cassé. Ouais, bon, ok, ça marche. Suivant. Faire la voiture. On s'en fout. Dans un sens, j'en profite en fait pour me déplacer aussi, c'est pour trouver des nouveaux objets que j'ai pas l'habitude de trouver. Parce qu'encore une fois, ils y sont pas en autre. C'est intéressant pour moi aussi. Il y a plein de maisons à fouiller, ça. Je suis sûr que je vais en passer et je vais en oublier. C'est obligé que j'en oublie. Probably useful. Ah, prends-la. Je voulais la boire, mais je me suis dit après à quoi ça sert. J'espère quand même qu'on va trouver un fusil, Hamilton. En théorie, il y aurait des grandes chances qu'on en trouve un. Donc bon, je serais curieux d'en récupérer un. Franchement, je serais étonné. Je serais vraiment étonné de pas en trouver un, Hamilton. Je serais très très surpris. This will come in handy. On est à combien de kilos là? 37 quand même. Ne jamais utiliser le couteau hein, pour les rideaux, pour déchirer les rideaux. Ça vous avance vraiment pas à grand chose d'utiliser le couteau, mais surtout c'est que ça use le couteau. Évidemment. On n'a pas tout pris. Par contre, je vais être à plus de 50, plus de 40, c'est chiant.
Y a pas deux étages. Non, c'est juste un étage. On va faire celle-là maintenant. Je crois qu'on va atteindre les plus de 40 kilos avant d'arriver à la maison principale. Ça me fait un peu chier. Non, on va pas prendre ça. Non. Je les laisse les choses hein, maintenant. On va les laisser. Sauf si vrai, c'est quelque chose de nouveau, on les laisse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être boire un café. Parce que j'ai pas envie qu'elle se fatigue. Si elle se fatigue, elle va pouvoir porter moins de choses et ça risque d'être chiant pour moi. Voilà. Ah, on va peut-être dormir là. On va peut-être dormir ici. Genre dormir 2 heures. Nobody needs this anymore. Un parka, yes. Ah, un parka, c'est top. C'est ça que je voulais trouver. Enfin, pas vraiment pas le parka lui-même, mais je voulais trouver des choses comme ça, genre contre la pluie, des vestes militaires, des trucs comme ça. C'est vraiment cool. Et du coup, on va dormir là. Alors, on a protection légère 9. Parka est mieux. Parka est mieux. Et là, on a gilet duvet. Et là, on a ça. Enfin, bon, ça, c'est pareil, par contre. Il est juste plus léger, l'autre. Lui, il est un peu plus lourd, mais il résiste en fait contre l'humidité. Et il est étanche. Alors que ça, c'est pas étanche, enfin 10%. L'autre, c'est 30. Ça, c'est 30 aussi. Ça, c'est bien. Ça bloque le vent. Coupe vent, plus 1 degré. Protection, 3%. Ça, protection. À la limite, protection, je pense que c'est de l'armure. Contre les... En fait, je crois que j'ai dit des conneries quand il n'y avait pas de... J'ai dit qu'il n'y avait pas de système d'armure. Mais je pense qu'il y en a, mais... C'est pas vraiment... c'est pas vraiment utile. Pas utile, mais on va dire que c'est très peu de différence, je crois. Mais enfin, c'est pas... Voilà. À la limite, oui, ça existe. Oui, l'armure existe, à la limite. Cool, 2 degrés. C'est bien. Ça, comme d'habitude, on les recycle. Ah, très bien. Ah, ça, c'est... Franchement, les trucs contre l'humidité, tout ça, ça va permettre... Parce que vous avez vu comment ça monte vite à cause de la tempête, l'humidité. Et ça, c'est vraiment un problème. On va boire, on va dormir 3-4 heures. Désolé, j'avais pas vu. Ok, encore 20 minutes à attendre. On est bien.
Ouais, go, on est reparti. On est reparti, on est reparti. On attend pas. On est à 40 kilos, mais c'est pas grave. On attend pas. On a des bons équipements, c'est cool. C'est ça qui manque un peu dans le mode intrus, entre vous et moi. Ça manque un peu, c'est la diversité, en fait, des vêtements qu'on peut trouver. Donc, j'ai fouillé. Donc, on va aller là. Parce que là, on trouve quand même beaucoup de différents vêtements. Alors, il y en a qui sont vraiment un peu OP, oui, bon... Et dans Intrus, c'est beaucoup plus rare et on trouve souvent les mêmes choses. Parce que, en fait, il y en a qui n'existent pas, tout simplement. Ils sont pas mis en mode Intrus parce qu'ils sont trop puissants. Je crois que les meilleurs qu'on peut trouver, je pense que c'est les parkas. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle genre couvent ou un. Un truc de matelot, je crois. C'est un vêtement de matelot. C'est comme un kawaii. Je crois que ça, ce sont les meilleurs vêtements que vous pouvez trouver, en fait. Donc, je vais fouiller. On est allé à cette cabane. Je pense qu'il y a une trace de pas. Ouais, je... Et il y a ça. Et après, en fait, le mieux, bah, c'est les vêtements que vous craftez. Voilà, tout simplement. C'est le plus rentable, c'est les vêtements que vous craftez. Non, j'ai déjà fouillé. Putain, je commence à m'emmêler. Ce que j'essaye de faire en ligne, en fait. Maison par maison, mais je... Avec cette tempête... Non, c'est là-bas l'intérieur de Milton. On a pas mal de cuir déjà maintenant. Ça, on s'en fout. Là, il y a une balle juste là. Ça, c'est cassé. Ça, c'est cassé. C'est condamné. J'ai envie d'aller à la... Non, c'est pas grave. Quoi ce bruit là? C'était quoi ce bruit? Bizarre. J'allais dire, j'ai envie d'aller à la maison principale, comme ça on peut se vider les poches. I'll take it. Sous ta capuche. Non, on n'a pas besoin. Vous avez vu que là, on est quand même beaucoup moins mouillé. Hein. On va aller avant d'aller à la banque et tout ça. On va aller à la maison.
Aussi, un truc qu'on pourrait faire, c'est essayer de trouver la cache d'Halloween. Mais je sais pas si elles y sont encore, les caches d'Halloween. Parce que ça disait en fait au jour 3 pour les aurores boréales. Alors je sais pas si maintenant elles ont disparu ou pas. Mais bon, franchement, les chercher dans ce... au jour 4, ce serait complètement débile. Vous avez vu le froid qu'il fait. Parce qu'on gèle en fait. C'est ça le problème. C'est pas le froid, c'est l'humidité qui nous tue. C'est surtout l'humidité. Bon, on va se... on va se vider un peu les poches. Ça... 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 On va mettre les faitous sur la table. Ah, très bien. C'est cool. C'est quoi ça? This will come in handy. Cuisine. Oh, tarte à la citrouille. Ah, énorme. On a trouvé une tarte à la citrouille. Ah, c'est cool. Ah, c'est bien pour finir. Un délicieux dessert de saison. Chaud, plein de calories et de réconfort. Anecdote, l'odeur de la citrouille dégoûte les animaux. Cool. Elle est chaude en plus. Et c'est 2000 calories. Ah, c'est cool. Ça me fait plaisir. On a trouvé des caches d'Halloween. On a trouvé une. On a trouvé une lampe et tout ça grâce à ça. Et là, on a trouvé la tarte. Ah, c'est cool. Sympa. Vraiment, ça c'est vraiment cool. C'est un peu le but ultime, en fait, de cet événement. Donc, c'est vraiment sympa. Ah, une nouvelle boîte. Ah bah je vais être dégoûté hein, franchement si j'ai pas le badge à cause du fait que le premier jour je l'ai pas fait en... j'ai pas fait les 2 heures. Je vais être triste. Ah bah voilà. Pas encore habité. On peut lire ça, on lira ça. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à prendre les autres bois. Ah, vous faites chier. Attendez. J'aurais pas dû tous les mettre au même endroit. Quand on aura dépassé les 12 minutes, quand on aura fait les 2 heures, là, on mangera la tarte, ce sera notre récompense. Zakar ou non, dans les baskets. La tarte sera notre récompense.
est-ce qu'elle dure longtemps là? La lampe. Hope nobody needs this anymore. Non plus. Oh yes. Ah, je crois que c'est encore mieux que le bleu qu'on a, je pense. Caleçon long en laine. Caleçon long en laine est un excellent moyen de se réchauffer les jambes, mais il n'est pas très résistant. Ouais, je crois que c'est mieux. Je devrais pas réparer avec la lampe allumée. Chaque fois je fais ça. Pas grave, je m'en fous. Deux degrés. Oh, ça tue. Oh la vache. Comment elle la tient, la lampe? Elle la tient super haute. C'est bizarre. Hein. On a tout fouillé là du coup. On a tout fouillé. Ah, oh, les vêtements comme ils sont top. Ah, oh, ils sont vraiment cool. Ah, oh, regardez, il y a plus que deux étoiles, deux flèches. Ah non, trois flèches. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Là, on va faire cette maison vite fait. Bon, c'est, enfin, c'est tranquille. Hein. Là c'est fini. Hein. On a gagné le truc. Je vois pas ce qui pourrait arriver de mal. Au lieu de regarder, oh putain, au lieu de regarder les petites maisons. Après, on va directement aller à la poste. Non, à la banque, la banque. On risque de trouver des trucs sympathiques à la banque. This stuff will come in handy. On va pouvoir se goinfrer de bonbons aussi. Merci. On va aller à la banque. Ah, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller continuer en fait dans cette direction pour aller à la ferme en bas. Je pense qu'on va y aller. C'est pas très loin, on peut y aller en entrée, en sprintant. Ouais, on va faire ça aussi, parce que j'ai envie de visiter un peu. C'est possible qu'il y ait aussi une tarte ou des trucs. Ah, par contre, peut-être il faudrait des clés. Les clés dans la survie du week-end, on les a trouvées dans... Je sais plus. Ah, sur un tracteur, dans un tracteur. Dans la cabine du tracteur. Quoi, ces coffres? Jamais vu. I'll take it. Travail non. Parc à simple.
Je crois qu'on peut mettre 2 par cas. Du coup, ça protège moins du vent. Il y a 2% en moins pour le sprint. Mais on gagne 1 degré. Des fois, faut faire des concessions, en fait. Ça, oui, la balle, oui. Putain, on a toujours pas trouvé de fusil, quoi. C'est fou, hein. Après, comme j'ai dit, les premiers jours, tout ça, on n'a pas vraiment fait les spots où c'est qu'il y a les fusils qui peuvent apparaître. On a fait vraiment les gros bâtiments que je connais de tête, et c'est tout. Man, I could eat anything. Alors. Oh putain, t'es sérieux. 54. Même 53 40, on va dire. Merde, 53 39 42, je crois. Voilà. Eh, donne-moi un truc intéressant. On s'en fout, on s'en fout. Merci, c'est de la merde. Le mec, il est venu là pour voler, je crois. Il y a plein de... Il y a plein de dollars, il y a un couteau. Ouais, ça s'est mal passé pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on veut essayer de reconstituer la scène, qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu... Il s'est fait tirer dessus, peut-être. Et après, ils l'ont laissé là, ils sont partis. Et, il y a plein de billets partout, c'est abusé. Et après, ça a gelé, en fait, c'est ça. Je les prends pas, hein, les billets. Hein, ça sert à rien. C'est bon à jeter au feu, c'est tout. This stuff will come in handy. Merde. Voilà, c'est bon, on se casse. Qu'est-ce qu'on fait? On est à combien de kilos? 35. Allez, on y va. On y va direct à la maison là. Ah là, on a 2 flèches et pas 3. Là, il y a encore des maisons à faire, je crois, sur le côté. Ah merde, j'ai pas... Les cafés, ils sont pas en raccourci. Ah, on est redescendu à 3 flèches. Vous avez vu, là, on peut rester plus longtemps.
Parce que le vent nous atteint moins. Le vent fait moins baisser en fait notre température. C'est vraiment bien ce système, hein, franchement, de température et tout ça. Hein. C'est vraiment bien fait, hein. Pourquoi ce bruit ? J'ai l'impression qu'un arbre était tombé, un tonnerre. Ouais, reste cool. C'est ultra chiant pour se déplacer quand même. Voilà, ferme le paradis Meadows. Ah, je crois qu'on a réussi. Il y a un point d'exclamation. Je regarde s'il y a des objets là. Ah, du cuir. C'est cool. Une corde. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour de moi. C'est horrible. Pas besoin de clé, hein. Non. Oh bah merde, attends. Ah là, la lampe, problème. Pas les clés sur toi, mec. Yes! I'll take it. Boîte de combat usée, non. On va prendre ça, on va tout prendre. Tada! Bon, bah on a réussi à survivre. On n'a pas eu le... on n'a pas eu le badge. Ah, j'aurais pas le badge. Le deuxième badge. This will come in handy. À cause du fait que, bah, en fait, j'ai pas fait 2 heures dans le premier. Ah, ça fait chier. Putain, c'est con. C'est vraiment con. Oh merde. I can barely walk with this much gear. Ouais, je me suis fait avoir. Parce que j'avais commencé et il y avait moins de 2 heures et du coup... Ouais, c'est pas grave. Bah, on va s'arrêter là du coup. Un peu chier, mais bon. De toute façon, ce mode va disparaître. Normalement, la sauvegarde aussi va disparaître du coup. Ça, ça sert un peu à rien de continuer. C'était juste, je voulais vraiment juste le finir comme ça. Voilà, ça, genre il me manquait 10 minutes quoi. Il manquait genre 10 minutes pour avoir les 2 heures dans la première nuit. Et ça me fait chier quoi. Je vais les montrer les badges après. Ah, je crois que c'était un fusil. Nobody needs this anymore. Pull en laine épais. Ça, c'est, par contre, c'est bien ça. Je
fouille pas très bien, là, je fais un peu à la va-vite. Ouais, ça me fait un peu chier. J'ai un peu deg. Mais bon, pour moi, hein, et pour vous, vous pouvez quand même être témoin que j'ai réussi à survivre les 4 jours et on a fait que se balader, on n'est pas resté au même endroit et tout, donc ça va, c'est sympa. C'est pas comme si on s'était planqué. Et puis voilà. Ah, du coup... on a des vêtements, on va les réparer. On va juste réparer les trucs vite fait, puis après on s'arrête, je pense. Attendez, je vais peut-être éteindre la lampe. On va éteindre la lampe pour le moment, vu qu'on est dans le menu. On va faire toutes les choses du menu. Genre lire les livres et tout ça. Ouais, très bon vêtement. Ouais, très bon vêtement. Lequel protège plus contre le vent? 0-1. Ouais, en fait, faudrait les inverser. Ça, c'est la couche extérieure. Merde, je les ai posés par terre. I can barely walk with this much gear. Ça, c'est plus résistant contre l'humidité 10% et étanchéité. Donc du coup, il faut les mettre à l'extérieur. Il faut mettre les choses qui protègent le mieux à l'extérieur, je crois. Ouais, c'est bien. On va lire le livre juste pour le kiff. Et une fois qu'on aura lu tous les livres, après on va manger la tarte. On va aller se coucher. Ah putain, elle va fatiguer vite, hein. I need to find a place to rest. Elle est trop fatiguée. Non, mais lâche. Allume la lampe. Prends la tarte. Bois. Si tu tombes dans les pommes maintenant et que t'as pas assez à boire, tu vas me péter un câble. On va manger la tarte. Tada! Miam miam miam. I'm so tired. I just lay down right here. Qu'est-ce qu'il y avait écrit? Tarte à la citrouille. Papa, je me protège du froid pendant une durée de vie. Yeah. Voilà. Donc voilà, nous avons fini. Nous avons fini. Donc du coup, je vais aller au menu principal. On va quitter. Voilà, on a fini. Donc on a fini, ouais, on a fini l'événement d'Halloween. Et si vous regardez, donc un signe, j'ai eu celui-là. Donc un signe crépuscule, c'est si vous survivez 4 heures, donc 2 et 2 en 2 jours en fait. Vous faites 2 heures en une journée et 2 heures dans une autre. Et après vous avez celui-là, un signe minuit. C'est si vous faites 2 heures dans la première nuit, deuxième nuit, troisième nuit et quatrième nuit. Tristement, on n'a pas pu faire dans la première nuit, donc on n'a pas ça. Ça fait un peu chier. Ah, ça me dégoûte. Franchement, ça me fait chier. Ça aurait été cool. Mais bon, ça donne pas de bonus, rien. Ça donne pas de bonus, rien. Ce qui donne des bonus, c'est les exploits. Moi, j'en ai que 2 pour le moment. Voilà. Les bonus sont cool, celui-là par exemple. Vous avez effectué 200 heures de recherche en avant, les avantages chaque livre. 250 heures de recherche à 52%. 500 jours de survie.
1000 feux, mais c'est énorme. Par contre, vous commencez avec allumage de feu niveau 3, vous n'avez même pas besoin de petits bois et tout, c'est énorme. C'est abusé. Moi, le bientôt, c'est ça que je vais débloquer, c'est Racketeur. Par quoi 1000 km, vos jeux d'endurance se rechargent 20% plus vite. C'est pas vraiment très très utile. Je pense que le plus utile, ça c'est le maître du feu. Vous commencez à niveau 3, c'est magnifique. Ça aussi est machine efficace. Consommer désormais 10% de calories en moins. C'est top. Ouais, je pense. Sinon, ouais. Bon, ben, pas grave. L'année prochaine, peut-être. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit événement un peu surprise de The Long Dark. Parce que beaucoup de gens me demandaient d'en refaire. Enfin, donc, de continuer mon histoire. Bon, je vais la continuer, ma survie du week-end. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment le temps en ce moment. Donc là. voilà, là, j'ai fait l'événement d'Halloween. Je suis content. C'est cool. Merci beaucoup d'avoir regardé et passé un très bon, j'allais dire un très bon Halloween, mais Halloween sera sûrement passé, déjà. passez une bonne journée, une bonne nuit. Merci infiniment d'avoir regardé. À la prochaine, salut. Ciao.